dans les parages, à profiter d'une session A. Un super moment immortalisé en pourtant inséparable, et ne profite pas de l'un de l'autre en ce moment. Le réalisateur, fou amoureux, se console sous les cocotiers de TV vous raconte tout de A à Z. C'est l'amour à la Aou, cha-cha-cha. Et mes yeux dans tes yeux, Aou, Aou. Baiser et coquillage, la suite de la chanson, signée par le groupe Niagara, vous la connaissez. Mais, et, eux, ne se contentent pas de la chanter. En effet, les deux tourtereaux peuvent se targuer de la vivre, sous le soleil et les cocotiers d'eux. Inséparables depuis de longs mois, l'acteur et la veuve du taulier ne peuvent pas s'en empêcher. Ils roucoulent dans les bras de l'un de l'autre, comme si le monde pouvait s'arrêter demain. Alors, il faut croire que les deux amoureux parviennent tout de même à se décoller quelques heures. Et pour cause, la maman de Jade et Joy veut créer le manque avec son chéri. Ainsi, dans ces moments-là, l'acteur ne se prive pas de retrouver ses copains. Preuve en est, le petit ami de a passé du temps avec son ami, Simon Paul Cohen. Donc, les deux hommes ont profité des vagues californiennes pour s'offrir une session de un moment que le bel homme de 44 ans ne s'est pas privé de partager à ses abonnés. TV vous en dit plus. Montre tout en effet, le compagnon de n'a pas pu s'empêcher de dévoiler son activité aux internautes. Ainsi, s'est affiché torse nu, aux côtés de son grand ami. Vague surfeur vague première session de à Los Angeles avec Simon Paul Cohen, écrit-il en légende de sa publication. Alors, même si l'acteur a mis un filtre noir et blanc sur le cliché, on peut tout de même voir sa musculature. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que son torse n'a pas manqué de faire réagir les amis du compagnon de dans la partie commentaire. D'abord, le coach sportif français basé à Los Angeles, Joël Bouraïma, a commenté « Enfin, t'es allé à l'eau biceps contracté pomate surfeur peau légèrement mat biceps contracté pomate ». L'actrice française, Nadia Fares, quant à elle, a simplement inséré des émojis, feu applaudissements amoureux bisous. En tout cas, ce ne sont pas les seuls à avoir pris le temps de lui écrire un petit message. Les fans de ont, à leur tour, commenté sa publication. Ah, enfin, bienvenue dans le club. Profitez bien, bisous à Laetitia, Jade et Joy bisous 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 bisous. Quelle chance amoureux, ou encore. Je ne sais pas comment était le mais le sourire de Simon Paul Cohen tête à l'envers sourire. Toutefois, le nom de n'est pas apparu dans les commentaires. Mais il faut croire que la jolie blonde lui a adressé des mots doux en privé.